C'est un honneur pour l'association des Amis et Riverains du Ponant, ainsi que pour notre association jumelle, sur les pas de Saint-Louis en Bédégmorte, représentée par la présidente Michèle Palier, qui a fait le déplacement depuis Nîmes, d'accueillir notre conférencier Jean-Paul Legros. Je précise... Je tremble un peu, hein, c'est un peu l'émotion. J'espère que ça va se calmer. Je précise que cette conférence est dédiée à la mémoire de Daniel Bornemann, qui a longtemps présidé l'ARP. Elle avait soumis à son conseil d'administration l'approbation des premières datations de sédiments de l'étang du Ponant par carbone 14, avec un chercheur de l'université de Montpellier. L'association ayant avancé le financement s'est en fait remboursée par la suite. Donc c'est des recherches qui ont permis de préciser les travaux qui ont été entrepris à l'époque médiévale. Daniel Bornemann avait aussi donné son accord pour la première tenue des rencontres de Saint-Louis avec comme conférencier le géologue Alain Lomer. C'était le 7 septembre 2003. Si mes souvenirs sont bons. Jean-Paul Legros, ici présent, donc qui va nous entretenir, a intitulé son propos, je vais me mettre assis, ça sera plus simple, a intitulé son propos Sol dans le milieu camarguais. Agronome de formation, il est un spécialiste très averti de la question, comme vous pouvez vous en douter. Il a été directeur de recherche à l'INRA de Montpellier. INRA qui a pris en 2000 le nom de la dénomination de Institut de Recherche National pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, INRAE. Tout en conduisant de très nombreuses expertises sur la fertilité des sols en France et à l'étranger, en climat méditerranéen et tropical, Jean-Paul Legros a développé des qualités d'enseignant et de pédagogue. Il a été élève puis professeur à l'École d'agriculture de Montpellier. Plus tard, il a enseigné à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Son expérience d'enseignant-chercheur l'a incité à rédiger un remarquable ouvrage illustré de 574 pages, s'il vous plaît, intitulé « Les grands sols du monde ». Ouvrage de portée internationale, puisqu'il a été rapidement traduit en anglais sous le titre « Major Soil Groups of the World ». La connaissance de la couche superficielle de notre planète est essentielle pour appréhender le développement des êtres vivants, particulièrement des végétaux, et leur histoire. Elle prend une acuité particulière dans les zones de delta, caractérisées par un fragile équilibre à l'interface des eaux fluviales et marines. Il se trouve que notre riche patrimoine connaît précisément cette configuration à la lisière occidentale du delta de la Camargue. L'apport fluvial a approvisionné notre littoral en éléments fins que la mer a ordonnancés à son gré en cordons dunaires et en plages. Ces formations sont des marqueurs très sensibles des évolutions du climat à travers les âges. Les changements actuels peuvent paraître insignifiants. Ils n'en sont pas moins des avertissements dont il faut tenir compte avec réalisme.
C'est ce dont va nous entretenir notre conférencier et je ne doute pas qu'il va enrichir nos connaissances. J'apporte une dernière précision. Les clichés qui vont vous être présentés sont de notre photographe Jean-Pierre Beignet, qui a quitté l'ARP en juin 2000 dernier, mais qui est ici présent et que je salue. Mais nous avons poursuivi une campagne de survol en août 2021. Je cède donc la parole à Jean-Paul Legros. Merci. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Alors quand Bernard m'a demandé de vous parler de la Camargue, j'ai un peu hésité parce que je n'étais pas retourné en Camargue, tarière de spécialiste en main. Depuis mes débuts, j'avais fait mon premier stage en Camargue et je me souvenais surtout des moustiques. Mais grâce à Bernard, j'y suis retourné et ce que je vais vous proposer, c'est une synthèse des travaux de sciences du sol, géologie, géomorphologie, un petit peu d'agronomie, mais pas du tout végétation et faune, flore, parce que ce ne sont pas mes centres d'intérêt. Alors j'ai lu pour vous, si j'ose dire, des thèses qui parfois m'ont paru arides et j'ai essayé d'en retenir quelques éléments. C'est forcément partial et c'est forcément partiel. Alors je voudrais remercier immédiatement. Bon, ça ne veut pas là comme ça. Ah ah. Alors, je vais essayer avec cette machine. Ah ah. Ah, voilà. Alors, je voudrais remercier immédiatement Jean-Claude Lacassin, qui est en quelque sorte co-auteur de cette présentation, qui est de la Société du Canal de Provence, ingénieur à la Société du Canal de Provence, et qui a travaillé dans ces milieux. Et je voudrais remercier aussi nos collègues, mais hélas déjà disparus, de la Société du Baron de Languedoc, qui avait une division spécialisée dans le sol, mais qui ne sont plus de ce monde. Et puis bien sûr, remercier Bernard Robert, sans lequel je ne serais pas là, et qui m'a réintroduit en Camargue, et avec lequel on a discuté pour un certain nombre de diapositives et d'idées. Alors, mon plan sera le suivant. Je vous dirai quelques généralités. Ensuite, on parlera des différents milieux naturels, selon moi, vision d'agronome de Camargue. On fera un passage important sur les milieux salés, parce que quand même, le sel, c'est emblématique de la Camargue. Et puis, on verra dans une dernière partie ce que sont les problèmes agronomiques majeurs. Et on peut dire que la Camargue est assez exemplaire de ce que l'on voit ailleurs dans le monde. Alors, d'abord les généralités. Et la Camargue est née de la guerre, si j'ose m'exprimer ainsi, entre la mer et le fleuve, et le Rhône. Si le Rhône avait gagné complètement la partie, ses dépôts seraient éjectés en mer. Et si la mer avait gagné complètement la partie, eh bien, il y aurait des fjords comme en Norvège. C'est justement parce que, grosso modo, la force des eaux du Rhône d'un côté et de la mer de l'autre s'équilibre à peu près que l'on a un delta. Ce qui veut dire que les deltas, on n'en a pas dans tous les sols du monde. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, c'était la courbe de montée des eaux. Vous savez que l'eau monte depuis la fin de la dernière glaciation, d'abord rapidement, la glace fondait, puis depuis 7000 ans, ça s'est bien calmé. Donc on est passé de montée des eaux qui faisait à peu près 14 mm par an, à une montée des eaux qui était très faible, de l'ordre de 2 mètres depuis les Romains, c'est pas grand chose. Le port antique de Marseille est à peine sous les eaux, n'est-ce pas? Alors on nous promet pour le futur quelque chose qui va remonter. Mais cette guerre entre le Rhône et la mer s'est traduite dans les dépôts.
Dans un premier temps, comme la mer montait rapidement, elle a amené ces sables qui sont là en jaune, qui ont pénétré assez fortement à l'intérieur des terres. Et puis, depuis quelques milliers d'années, depuis la fin de l'époque, depuis 1000 ans, disons, c'est le contraire. C'est le Rhône qui gagne sur les dépôts marins. Et c'est ce que vous voyez dans cette partie grise. Vous avez les dépôts du Rhône et vous voyez les dunes des Sainte-Marie qui sont en quelque sorte très loin en mer par rapport à ce qu'était le rivage il y a 2 ou 3 000 ans. Non seulement la mer monte, mais le delta de la Camargue descend. Et si vous regardez l'altitude des cailloutis, on y reviendra longuement, déposés par le Rhône, ils sont à quelque chose comme 70 mètres de hauteur du côté de Salon de Provence, et sous la Camargue, ils sont à moins 30 mètres. Vous voyez la descente de niveau que cela implique, pour des raisons tectoniques diverses et aussi parce que les sédiments représentent un certain poids. Alors, la mer monte, la Camargue descend, tout ça ne pourrait s'équilibrer que si le Rhône amenait de quoi remplacer ce qui descend vers le bas. Et malheureusement, on en est très loin. Il faudrait, d'après les spécialistes, 6 kg de sédiments par mètre carré par an, et on est à quelques dizaines ou centaines de grammes. Pourquoi est-ce que le Rhône ne compense plus? Mais d'abord, on a créé toutes sortes de barrages. Donc la plupart des sédiments sont retenus dans ces barrages. Ils ne coulent plus vers la Méditerranée. Deuxièmement, pour éviter les débordements et sauver les populations et les animaux d'élevage, on a élevé des digues. Vous voyez ces digues, elles sont en marron sur les deux bras du Rhône. Pratiquement, le Rhône est canalisé jusqu'à la mer. Alors, quand il y a une forte crue, comme en décembre 2003, vous voyez, les dépôts des fleuves côtiers eh bien, s'en vont en mer au lieu de fertiliser, entre guillemets, les deltas. Le résultat est spectaculaire. C'est une photo que j'ai faite il y a peu de temps. Regardez, on voit bien que la côte se mange. Le Rhône, comme tous les fleuves français, apporte des dépôts. Et de temps en temps, ça déborde. Et bien sûr, les dépôts les plus lourds, alors les sables, les graviers sont retenus dans les barrages, et il y en a peu, mais les dépôts les plus lourds, c'est-à-dire les limons, alors les limons, ce sont les particules de taille intermédiaire entre les sables et les argiles. Les sables, tout le monde sait ce que c'est. Les argiles, tout le monde connaît la pâte à modeler. Les limons, ce sont des particules de taille intermédiaire. Les ménagères connaissent cela parce que la farine de boulanger, ça a la taille d'un limon. Ça gratte un peu, mais c'est quand même plus fin que les sables. Alors les limons se déposent à proximité du fleuve, là ce que vous avez c'est une coupe, et les éléments fins, les argiles, vont plus loin, c'est-à-dire dans les dépressions. Et le résultat de tout cela, alors ça c'est un croquis de Alain Lomer, dont il a été question tout à l'heure, et le résultat de tout cela, c'est que le fleuve monte. C'est général, la Seine monte, le Vidour le monte, etc. Et si bien que les villes qui sont au bord des rivières ont tendance à subir des débordements de plus en plus fréquents. Donc le Rhône finit par couler sur des chenaux qui sont en hauteur. Alors, de temps en temps, eh bien, il lui prend l'envie de quitter son lit. Alors, il y a au moins 4 cas. Le premier, c'est qu'après un débordement, il revient sagement dans son cours antérieur. Le deuxième cas, c'est qu'il recoupe un méandre. Le troisième cas, c'est qu'il crée un bras qui va se perdre dans les terres et puis qui va se colmater peu à peu parce que les sédiments arrivent et ça va se boucher en quelque sorte tout seul. Tout seul, mais à l'échelle du millénaire. Et puis le quatrième cas, c'est lorsque la puissance de la crue est si forte que le Rhône se crée un nouveau chenal jusqu'à la mer. Et il y a un dernier cas annexe, c'est l'homme qui de temps en temps, parce que ça l'intéresse, met en continuité deux chenaux
pour des questions de navigation ou au contraire ferme une passe. Eh bien, sachez qu'en Camargue, tous ces cas-là, tous les cas possibles sont représentés. Vous avez là, ici, une carte qui vous montre le petit Rhône et le grand Rhône actuel, et puis un certain nombre de bras morts. Voici une carte qu'avait fait M. Le Maire, et vous avez ici, à l'époque quaternaire, le Rhône qui coule à cet endroit, et maintenant, ça c'était la côte telle qu'elle pouvait être antérieurement, et maintenant, la sortie du Rhône, c'est au niveau du mot « donné ». Vous voyez, c'est en bleu, léger là-bas. Vous voyez, le déplacement a été tout à fait là. Hein, voilà. Donc le déplacement du fleuve à travers son delta, c'est une constante. Alors ça peut se voir, si on est curieux et qu'on veut regarder les photographies aériennes, voilà un delta, le delta, et voici, souligné, un bras mort. Regardez-le bien, vous le voyez. Voilà. Alors celui-là, on le voit facilement parce qu'il est en eau. D'autres sont moins faciles à détecter parce qu'il n'y a plus d'eau dedans. Mais si on regarde, si on regarde bien, alors on voit que la forme des champs souligne cet ancien bras mort qui a disparu. Il le souligne parce que le champ est un peu plus bas, il est un peu plus humide, et l'agriculteur ne peut pas cultiver une parcelle basse en même temps qu'une parcelle haute quand il y a un talus entre les deux, et en plus, ce ne sont pas les mêmes cultures lorsqu'il y a beaucoup d'humidité ou pas beaucoup d'humidité. Donc vous voyez, c'est un milieu vivant qui bouge sans arrêt. Alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde la carte géologique de la région, il y a trois ensembles. Il y a la Camargue proprement dite, nous allons en parler, et puis il y a la Costière du Gard et la plaine de la Croix. Alors voyons d'abord la plaine de la Croix. Il faut savoir que il y a quelques milliers d'années, la Durance ne passait pas comme elle le fait maintenant entre les Alpilles et le Luberon pour aller se jeter dans le Rhône là-haut. Elle passait sous les Alpilles et elle a créé son propre delta. Et la Croix, ce ne sont pas des galets du Rhône, principalement ce sont des galets de la Durance. Voici la Durance, voici ses galets. Pour l'essentiel, ils sont calcaires parce que la Durance coule principalement dans les préalpes calcaires. Alors, Bernard Robert a voulu que je vous montre les petites vignettes sur la droite. Vous avez vu peut-être, certains d'entre vous, le film « L'eau vive », oui, qui était un film quand même de qualité, puisque les dialogues étaient, et le scénario dialogue de Jean Giono, et puis la musique de Guy Béard, « Ma petite est comme l'eau », etc. Et dans le film, il y a le berger, c'est le seul brave homme du film, avec l'héroïne qui était Pascal Audrey, et il fait pour cette jeune fille des petits colliers en variolite. Vous avez la variolite tout à fait en bas à droite. C'est un minéral qui est beau, relativement rare, mais qui n'a pas de valeur intrinsèque, n'est-ce pas ? Et il faisait un petit collier pour sa protégée, sa nièce. Et cette variolite qui vient du col du Mont-Genève, au-dessus du col du Mont-Genève, du massif du Chenaillet, et qui correspond à des roches très spéciales, hein, vous voyez, descend la Durance, se jette dans le Rhône, et le Rhône jette ses cailloux de variolite dans la mer, et de là, ils sont jetés sur les plages, en Camargue, et jusqu'à Montpellier. Et donc, cette petite variolite, qui devient de plus en plus rare à cause des barrages dont je vous ai parlé, matérialise en quelque sorte cet apport rhodanien qui vient de toutes les Alpes et qui arrive jusqu'en Camargue. Alors, voyons un des sols de la Croix. J'ai presque tendance à dire qu'il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que ce sont des sols relativement récents. Quand on dit récent, ça veut dire moins de 10 000 ans, hein, après la dernière glaciation. Et donc, ils sont relativement homogènes. Bien sûr, les spécialistes verraient des évolutions de détails, mais on ne va pas rentrer là-dedans.
La seule chose qui s'aperçoit, c'est cette teinte brune qui est liée à la sortie des oxydes de fer et qui rouille à partir du moment où ils sont en contact avec l'oxygène. N'est-ce pas ? Le fer, c'est gris, et quand il rouille, il est rouille. C'est la même chose dans le sang. Vous avez ici Guillaume Bourrier, qui est assis à droite dans la salle, et qui a mis en évidence un type particulier d'oxyde de fer, auquel il a eu l'honneur de pouvoir donner le nom. Mais enfin, on ne rentrera pas ici dans ces questions. Alors, voilà un autre sol du delta de la Durance, autrement dit de la Croix, voyez, et comme les durées d'évolution ont été relativement limitées, eh bien il reste calcaire, homogène, calcaire et plus ou moins gras. Je n'insiste pas. Simplement, dans la Durance, comme d'ailleurs dans la vallée de l'Isère, et ailleurs encore, sur le pourtour des Alpes, les agriculteurs étaient mécontents d'avoir des sols très caillouteux, et ils ont pratiqué ce que l'on appelle le limonage. C'est-à-dire qu'à certaines périodes des crues, ils détournaient sur leurs champs les eaux pour que les eaux déposent en surface les particules fines. Et c'est ce que vous avez là. Vous voyez, les premiers centimètres sont à peu près dépourvus de cailloux, alors que les cailloux sont très nombreux, en profondeur, c'était une façon d'améliorer les sols. Bien sûr, vous savez à quoi la croix sert en majorité, c'est-à-dire à produire un foin de qualité. Alors les foins sortis des régions calcaires, que ce soit en croix ou dans les Alpes, sont toujours meilleurs que les foins issus des zones acides, sont plus riches en minéraux, et puis bien sûr l'élevage du mouton. Et maintenant, disons quelques mots de l'autre côté, de la Costière du Gard. Alors la Costière du Gard, c'est différent, ce sont des alluvions très anciennes du Rhône. Et on les trouve jusqu'à Montpellier. L'aéroport de Montpellier est construit sur les dépôts qui viennent du Rhône. Ça s'arrête à peu près là. On peut considérer que ça continue, mais à ce moment-là, quand on va plus loin sur l'ouest, sur la côte, là, il y a des apports qui viennent de l'Hérault et d'autres fleuves. Mais jusqu'à Montpellier, c'est essentiellement le Rhône. Alors, si on regarde ce qui se passe, j'avoue que ces photos viennent de la vallée du Rhône et pas de la Costière du Gard. Si on regarde ce qui se passe en centaines de milliers d'années, il y a une évolution. Vous voyez ça, vous l'avez vu tout à l'heure, ça devient un peu rouge, etc. Mais au bout de 100 000 ans ou plus, c'est-à-dire au-delà d'une ou de deux glaciations, eh bien, les matériaux qui sont dans la partie supérieure disparaissent. Ils disparaissent parce qu'ils sont entraînés vers le bas, ou bien ils sont carrément dissous et exportés. Et donc, vous voyez que, avec le temps, les sols finissent par se contraster et on a ce que l'on appelle des horizons, qui sont très différents les uns des autres. Vous voyez, c'est ce que vous avez à droite. Et cela, on ne retrouve pas ça dans la Camargue proprement dite. Mais c'est très caractéristique de la Costière du Gard. Seulement, si vous regardez une coupe dans une villa ou le long d'une autoroute, quelquefois, il y a eu de l'érosion, si bien que les parties supérieures plus claires, appauvries, ne se voient pas strictement partout. Voilà l'aspect de surface que cela peut avoir, où les cailloux s'accumulent, et dans la vallée du Rhône, le vignoble le plus célèbre qui correspond à ça, c'est le Châteauneuf du Pape. Et voilà un exemple. Alors là, celui-là correspond bien à la Costière du Gard. Vous voyez que c'est rouge, ici, et argileux. Et là, bon, ça n'est pas blanc, parce que c'est le cliché a été pris en période humide, mais c'est déjà, vous voyez, plus clair. Il y a déjà des différences assez considérable. Alors venons-en au milieu camarguais proprement dit, après avoir vu les cailloutis que l'on trouvait à l'est et à l'ouest. Alors, je ne distinguerai que trois milieux naturels. Il y a d'abord, pourquoi ? Parce que c'est ce que tout le monde peut voir en regardant.
il y a d'abord les bourrelets du Rhône. Là, ici, ils sont en rose rouge, rougeâtre, vous voyez, c'est-à-dire, le long du Rhône, il s'est constitué des bourrelets, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous avez les dépressions, là, elles ont été mises en jaune. Alors, dans les dépressions, quand on s'approche, quand on regarde, quand on fait un trou, on peut voir si les dépressions sont d'origine fluviatile, c'est-à-dire si les matériaux ont été apportés par le Rhône, ou si elles sont d'origine marine, apportées par la mer. On peut regarder les micro-organismes, on peut regarder les sables, sont-ils rhodaniens ou méditerranéens. Il y a toutes sortes d'éléments d'observation, et en particulier, est-ce que c'est salé ou pas salé. Mais quand on se promène dans la nature, c'est à peu près impossible de faire la différence, d'autant que sur un même lieu, on peut avoir des apports fluviatiles, puis des apports maritimes, etc., etc. Donc on ne va pas rentrer là-dedans, on va considérer les dépressions comme un milieu unique. Et puis le troisième élément, ce sont bien sûr les dunes, apportés par la mer et le vent qui remanient les sables marins et qui sont bien entendu en avant, c'est-à-dire proche de la Méditerranée. Alors passons en revue ces trois milieux et d'abord les bourrelets alluviaux. C'est un lieu de grande agriculture. Vous voyez ici une image. Ça se confirme quand on regarde les photographies d'avion. Des belles parcelles bien cultivées. Quand vous voyez des paysages comme ça, où il n'y a pas un bosquet d'arbres, pas un champ en friche, ça prouve que les terrains sont bons. Alors, on va regarder un petit peu les analyses. Mais rassurez-vous, on ne va pas à chaque fois se complaire dans le détail de tout ce qui intéresse les spécialistes. Là, je ne veux vous montrer qu'une chose, c'est ce qui est encadré. Regardez, c'est la teneur en limon. Je parlais tout à l'heure de farine de boulanger. Vous avez très peu de sable grossier, vous n'avez pas grand-chose comme argile, mais les dépôts apportés par le Rhône sont essentiellement limoneux. Vous voyez, ça dépasse partout 50% de particules de taille limon. C'est tout à fait cohérent avec ce qu'on je vous ai montré tout à l'heure, le dessin de l'Homère, qui expliquait que les limons se situaient à proximité du sol. Et voilà un sol de ces bourrelets le long du fleuve. C'est quand même assez gras, il n'y a pas de cailloux, il n'y a plus de cailloux. Et il y a souvent de l'eau au fond et parfois de la salinité. Alors les spécialistes des cartes de sol ont distingué en Camargue 75 types, nous on va en voir 5 ou 6. C'est-à-dire que ça, suivant la teneur en eau et la teneur en sel, on en fait des sols différents. Mais pour vous, disons, ce sont des limons avec plus ou moins d'eau et de sel. Voilà. Au siècle dernier, vous savez que le phylloxéra a attaqué la vigne française, découverte en 1868, et pas n'importe où, à Saint-Martin-de-Crau, c'est-à-dire juste à côté de la Camargue. Alors, on a très vite réalisé, on a essayé de combattre l'ennemi, à coup de même de clairon pour l'effrayer, enfin on a essayé toutes sortes de choses. Et il est venu très vite à l'idée qu'on essaierait de noyer la bête. Et si on submerge la vigne en hiver, pas en été, parce qu'en été elle en mourrait, mais en hiver, quand elle en vit ralentie, pendant 40 jours, eh bien on peut noyer le puceron sans que la vigne en souffre notablement. Et c'était intéressant de faire ça en Camargue, d'abord parce qu'on avait beaucoup d'eau, le Rhône, parce qu'on avait à proximité ces terrains limoneux qui sont quand même relativement gras, n'est-ce pas? Donc l'eau ne traverse pas, parce que pour noyer la vigne, il ne faut pas que l'eau passe au travers. Et troisièmement, donc la proximité du Rhône, la texture, enfin la perméabilité du sol suffisante. Et troisième facteur, on avait l'habitude déjà du riz, parce qu'on avait fait des tentatives de rizière antérieurement en Camargue. Donc finalement, arroser une vigne plutôt qu'arroser une vigne, plutôt qu'arroser une rizière, pardon, c'était relativement facile. On avait les techniques.
Et d'ailleurs, un certain nombre de parcelles pour le riz avaient déjà été mises à l'horizontale, parce qu'il faut une horizontalité stricte. Il n'y a qu'un inconvénient à cette technique, c'est qu'au XIXe siècle, on n'avait pas d'électricité. Alors, il fallait des systèmes de pompes à vapeur, très complexes, difficiles à mettre en œuvre, il faut amener le charbon, etc. Donc, seul le gros propriétaire pouvait se lancer dans ces opérations. Le résultat, c'est que la Camargue est devenue, et est encore, un milieu de très grande propriété. Ce ne sont pas des petits propriétaires qui peuvent faire cela. Et puis, quand on a trouvé la recette contre le phylloxéra, c'est-à-dire le greffage sur pied américain, eh bien, les terres de Camargue sont retournées au riz. Voilà une rizière, en voilà une autre. Alors on dit en agronomie qu'il ne faut pas brûler les chaumes et qu'il faut les enterrer pour obtenir de la matière organique. C'est vrai quand il n'y a pas beaucoup de matière organique dans le sol. Mais comme là ils en ont beaucoup, ça n'a pas d'importance, ils peuvent brûler s'ils le veulent. Et même, ce n'est pas une mauvaise solution. Alors bien entendu, quand on met beaucoup d'eau, et Bernard m'a donné le chiffre, 500 millions de mètres cubes d'eau par an sur les rizières en Camargue, c'est colossal, et cela change l'hydrologie, qui devient complètement artificielle. Alors sur les buttes en été, c'est plus humide en haut parce qu'il y a les rizières, à proximité du Rhône, ou des anciens bras du Rhône, et puis dans les dépressions où le vent souffle, c'est plus sec, et puis en hiver, c'est le contraire. Comme on n'arrose plus les rizières, le niveau d'eau descend sur les buttes, et bien sûr, en hiver, vous le savez, les dépressions sont submergées. Donc vous voyez, il y a toute une hydrologie qui s'est mise en place et qui est largement artificielle. Le deuxième milieu naturel, après les bordures du Rhône, après les limons rhodaniens, ce sont les cordons maritimes qui sont essentiellement sableux. Là aussi, on peut les regarder sur la photographie aérienne, les dunes, hein, voilà. C'est facile à voir. Et mes collègues cartographes ont fait la carte des sols et ont bien distingué, c'est ce que vous avez en vert clair, les cordons sableux. Et vous voyez qu'il y en a quatre à l'est et seulement qui se rejoignent au niveau de la Grande Motte. La Grande Motte étant là. Et puis ce que vous avez en verdâtre, jaune verdâtre, ce sont les alluvions du Vidoul qui viennent couronner tout cela, qui viennent en surface de tout cela. Et puis le reste en bleu, ce sont les dépressions ou maritimes ou fluviatiles, donc humides. Voilà. Mais même si on distingue quatre cordons dunaires, ça continue. En voilà un cinquième en formation à l'époque avant que l'on construise Port Camargue. Et puis, ça ce sont des photos de Bernard Robert, et puis même maintenant, alors que Port Camargue a été construit, vous voyez que le cordon qu'on a essayé de barrer avec une digue, eh bien les particules avec le vent sautent la digue et s'installent devant. En d'autres termes, si on n'y prend pas garde, si on n'y prenait pas garde, on finirait par avoir Port Camargue en eau morte, c'est-à-dire un étang de plus. Alors, je n'insiste pas là-dessus, cela s'explique par des courants côtiers qui sont assez capricieux, qui vont dans des sens contraires, si bien qu'en Camargue, vous avez des endroits où la côte s'érode de 10 mètres par an, et vous avez d'autres endroits, je viens d'en montrer, où au contraire, la côte avance. Ces cordons, les quatre cordons dunaires dont je vous ai parlé, ont été datés. Alors bien sûr, celui qui touche la mer est actuel, mais vous pouvez remonter dans le temps, et le plus ancien, qui est appelé cordon des sables, celui sur lequel on circule quand on va de Montpellier au Sainte-Marie-de-la-Mer, eh bien, il date de 6-7 000 ans en moyenne. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même des choses récentes, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est après la dernière glaciation.
Alors, vous m'auriez certainement posé la question, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Saint-Louis? Eh bien, du temps de Saint-Louis, il y avait déjà un cordon dunaire qui isolait Aigues-Mortes de la mer. Et donc, il a fallu le franchir et créer une passe qui n'était pas accessible aux grands bateaux, mais qui était accessible à des bateaux à fond plat, à des barques, qui allaient charger les vaisseaux restés en mer. D'où cette fameuse barque de Cantier, que certains d'entre vous connaissent, que l'on essaie de reconstituer à l'heure actuelle, pour que on essaie de comprendre mieux comment a fonctionné l'embarquement de Saint-Louis. Et vous voyez là, Saint-Louis qui part pour la croisade, alors j'ai tort de dire Saint-Louis, c'est Louis IX, il a été canonisé après, mais quand même déjà, on lui avait mis l'auréole pour bien montrer que c'était le roi, le roi saint. Alors, voici le sol des cordons maritimes, et comme dans le cas précédent, je ne veux vous montrer qu'une chose, regardez ici là, ce qu'on appelle la granulométrie, et bien là, vous avez presque pas de limon grossier, presque pas de limon fin, quasiment pas d'argile, vous avez plus de 95% de sable-sable. Donc c'est extrêmement grossier, extrêmement sableux, donc relativement infertile. Voici l'exemple d'un sol en période sèche. C'est la dune de Palavas hein, qui a été coupée et observée. Et puis, mais voilà le même, et là, bien sûr, vous ne faites pas ce genre de trou en hiver dans les mêmes dunes. Vous avez l'eau qui n'est pas très profonde, juste derrière les dunes. Hein. Quand vous, évidemment, sur la dune, l'eau ne monte pas, mais juste derrière les dunes, vous avez ces matériaux qui sont très sableux, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est mouillé, mais l'eau est presque en surface. Revenons à l'époque du phylloxéra. On s'est rapidement aperçu que le phylloxéra ne survivait pas dans les sables. Parce que le phylloxéra, pour l'essentiel, je vous ai montré tout à l'heure la forme ailée, c'est une espèce de puceron, enfin c'est un insecte voisin des pucerons, qui vit sur les racines, qui fait mourir les racines de vignes. Et il ne se déplace pas dans les sables parce que, comme me disait un collègue, on n'a jamais vu une souris traverser un tas de haricots. Ouais, c'est pas possible, vous grattez, ça vous tombe sur la tête, etc. Ça n'avance pas. Et donc, on s'est aperçu de ça par hasard. On avait bouché des trous dans les dunes avec du sable et pour faire des vignes, et la vigne qu'on avait installée là, eh bien, elle ne périclitait pas. Et donc, il est apparu un engouement extraordinaire pour les sols sableux et en Camargue. Et puis, il y a eu quelques propagandistes qui ont écrit des ouvrages là-dessus, etc. Et c'est comme ça que s'est développé le vignoble des sables. L'île de Stel, rattachée au continent, est devenue l'Istel avec la compagnie que vous connaissez bien. Voilà un exemple de vigne des sables que j'ai photographié lors d'une balade. Voilà le vignoble des sables. Il y a une pancarte. Et puis, si vous regardez, l'appellation d'origine contrôlée, comme on disait avant, et maintenant c'est protégé, vin des sables, eh bien correspond parfaitement aux quatre cordons sableux que je vous ai présentés tout à l'heure, et aussi bien sûr au Lido, c'est-à-dire à Carnon, Palavas, etc., en avant des étangs. Voyez. Alors, le vignoble des sables n'est plus nécessaire, mais il a perduré. Il a perduré parce que c'est une tradition, c'est un vin particulier, léger, etc. Il y a un troisième milieu qui nous reste à regarder sur la Camargue, ce sont les dépressions humides. Les dépressions humides, là encore, on peut les voir depuis le ciel. Là, vous avez une photographie satellite disponible sur Internet, à émission infrarouge couleur, c'est-à-dire on ne prend pas dans le visible, on prend l'infrarouge, et on le traduit en couleur, 1980, et quand les terrains sont chauds, ils paraissent rouges, et quand ils sont froids, ils paraissent bleus. Et donc, ça vous montre mieux que n'importe quoi où sont les terres sèches et où sont les terres humides, mais attention, le jour J où cette photographie a été prise. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans les sols humides, il faut faire un micropoil de chimie. L'oxygène ne pénètre pratiquement pas dans l'eau.
très mal. Ceux qui ont des poissons rouges savent qu'il faut mettre un bulleur, sinon le poisson rouge, il crève, ou il faut changer l'eau. Hein ? L'eau, l'oxygène de l'air ne pénètre pas dans l'eau. Or, dans l'eau, voilà le niveau de l'eau, là c'est l'eau du sol, vous avez un sol, il est saturé d'eau, vous avez des micro-organismes. Et ces micro-organismes, comme presque tous les micro-organismes, ont besoin d'oxygène pour faire leur biosynthèse et pour survivre. Alors, elles ont trouvé le truc, elles prennent l'oxygène aux différents oxydes que l'on peut trouver dans les sols. Les nitrates, les oxydes de manganèse, les oxydes de fer, les sulfates et même le gaz carbonique. Et vous me direz, tout ça c'est bien théorique. C'est bien théorique, sauf que vous en avez la vision très facilement. Par exemple, quand les oxydes de fer qui sont riches en oxygène sont transformés en oxydes de fer pauvres en oxygène, la couleur change. Tout à l'heure elle était rouille, le fer oxydé, il est rouille, la rouille sur un bout de ferraille. Eh bien, quand les oxydes de fer sont sous forme réduite, ça devient gris ou bleu. Et ça peut être vert, je faisais tout à l'heure allusion aux travaux de Guillaume Bourrier qui est là. Deuxièmement, si les sulfates sont réduits, c'est-à-dire si l'oxygène est pris au sulfate, et que ces sulfates deviennent, enfin, à la suite de réactions pilotées par la chimie et les micro-organismes, de l'hydrogène sulfuré, eh bien l'hydrogène sulfuré, ça a une forte odeur. Et quand vous dites « ça sent les étangs », ça sent un peu d'hydrogène sulfuré l'été. Et puis, le troisième cas, quand vous avez le gaz carbonique qui est transformé en méthane, eh bien le méthane, tout le monde sait ça, peut donner des feux follets. Les paysans du Moyen-Âge, avec des sabots floutés, passaient à côté d'un marécage, allumaient avec une étincelle le feu follet et croyaient que le diable les poursuivait. Voilà un exemple de sol des marais. Et là encore, je vais insister sur une chose. Vous voyez, les particules fines, c'est-à-dire les limons fins et les argiles, c'est presque tout. Donc pour résumer, je vous dirais qu'en Camargue, vous avez les dunes qui sont presque des sables purs, vous avez les dépressions qui sont extraordinairement riches en argile, et vous avez les bras du Rhône qui sont extrêmement riches en limon. Donc vous voyez, c'est très très varié. Voilà un exemple des sols de Sansfouir. Je vous ferai remarquer que c'est un peu massif, on va y revenir. Vous voyez un petit peu les oxydes de fer sous forme rouille, mais beaucoup de ces oxydes de fer sont devenus sous forme ferreuse, c'est-à-dire moins riches en oxygène, et donc c'est une forme bleutée ou grise. Voilà. Donc ça, c'est un sol typique des dépressions. Alors, j'en arrive à la troisième partie, qui est de parler des sols salés, puisqu'encore une fois, si je ne vous parlais pas du sel en Camargue, vous diriez, il oublie quelque chose. Si on regarde des cartes de sol à l'échelle mondiale, enfin à l'échelle d'Europe, eh bien, on s'aperçoit que la salinité, par exemple, regardez ici l'Espagne, la salinité, elle n'est pas au bord de la mer. Parce que dans le monde, l'essentiel de la salinité est une salinité continentale. C'est-à-dire, vous avez de l'eau qui tombe du ciel, qui va aider, par toutes sortes de réactions chimiques, à détruire des minéraux. Ces minéraux vont libérer du calcium, du magnésium, du sodium, etc. Et quand il fait sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau pour évacuer ça dans les rivières, les fleuves et la mer, eh bien les sels s'accumulent sur place. Et quand au contraire il y a beaucoup d'humidité, les sels vont s'accumuler dans la mer, c'est bien pourquoi la mer est salée. Donc pour l'essentiel au niveau du monde, et même en Espagne, la salinité est continentale. Mais dans d'autres milieux, et en particulier dans des côtes sableuses comme la France, on a une salinité qui est localisée d'origine marine. Elle est liée à la mer. Et elle est liée à la mer de trois façons. Vous avez d'abord l'apport d'embrun, quand ça abîme les carrosseries sur la grande motte, c'est pas rien, ça peut représenter jusqu'à 700 kg de sel par hectare et par an. Vous voyez, c'est considérable. Deuxièmement,
Vous pouvez avoir des submersions par la tempête. Si une vigne est submergée par la tempête, l'eau salée va être piégée par le sol et la vigne va être détruite. Et il faudra des mois, voire des années pour éliminer le sel. Et puis, le troisième élément, c'est la nappe d'eau. Quand vous avez une côte, non pas rocheuse, mais une côte sableuse, eh bien, la mer ne s'arrête pas au sable, elle rentre dans le sable. Et elle a une forme comme ceci, c'est-à-dire de biseau salé, on dit. Alors, quand on regarde les choses de près, vous avez dans un sol, j'ai mis les particules de sol en brun, vous avez l'eau salée, et puis vous avez l'eau douce qui se met au-dessus. Pourquoi elle se met au-dessus? Ben pour deux raisons. D'abord, elle tombe du ciel, au lieu de venir latéralement. Et puis ensuite, elle est plus légère. Quand vous avez... vous savez que dans un sol, la salinité de l'eau peut être 10 fois celle de l'eau de mer. Donc quand vous avez 300 grammes de sel dans une nappe d'eau, évidemment, l'eau est plus lourde que l'eau douce, et donc elle est dessous. Et vous comprenez ce qui se passe. Si vous consommez cette eau douce qui est au-dessus de l'eau salée, par la végétation, par exemple par un terrain de golf, pour ne citer que cet exemple-là, pas au hasard, eh bien, cette eau douce peut s'amincir, et quand la végétation pompe, non plus dans l'eau douce, mais dans l'eau salée, des gros problèmes arrivent. Alors, pourquoi est-ce que l'eau salée est dangereuse? Bien sûr, il y a des ions un peu toxiques, le chlore est un peu toxique, mais l'essentiel n'est pas là. Une plante absorbe l'eau parce qu'elle a une certaine concentration de sucre à l'intérieur de ses cellules et la concentration est plus faible à l'extérieur. Donc il y a un aspect, c'est pas la seule chose qui joue, mais il y a un effet de pression osmotique, l'eau passe du milieu le moins concentré vers le plus concentré. Et si vous augmentez la salinité de la solution, eh bien la plante peine de plus en plus pour faire entrer l'eau. Et à la limite, si vous mettez une plante dans l'eau de mer, elle va crever de soif. Vous comprenez? L'eau ne rentre plus. Alors pour mesurer la salinité, il y a 3 méthodes. Mesurez, surtout ne regardez pas le détail de ces formules, mesurez le potentiel osmotique, c'est-à-dire quelle est la pression de l'eau salée par rapport à la pression de l'eau douce, etc. Mesurez la conductivité électrique, c'est-à-dire on met 2 électrodes, puisque les ions conduisent le courant, on peut regarder combien il y a d'ions en fonction du courant qui va passer. Et puis, troisièmement, on peut évidemment mettre une casserole à chauffer sur un réchaud, une casserole avec 1 litre d'eau, et on regarde l'extrait sec, ça va donner le poids de sel, et on va pouvoir détailler pour savoir de quel sel il s'agit. Alors ces 3 grandeurs sont en relation, mais bien entendu ça dépend de la salinité en cause, ça dépend du milieu. C'est pas la même chose pour la mer Morte et pour la Méditerranée. En d'autres termes, il y a des formules qui permettent de passer d'un système à l'autre, mais les deux les plus classiques et les plus simples, c'est la teneur globale en sel et la conductivité électrique. Et donc, on arrive à des tableaux comme celui-là, on ne va pas le regarder en détail, mais si vous avez, si vous prenez la mer Morte, vous êtes à 200 grammes de sel par litre, c'est colossal, l'eau est très lourde et c'est pourquoi vous flottez. Si vous êtes dans une mer normale comme la Méditerranée, vous êtes à 35 grammes, c'est déjà fort salé, suffit de goûter. Et puis si vous êtes en dessous de 1 gramme de sel par litre, eh bien c'est pas trop salé, on peut faire de l'agriculture en prenant quelques précautions. Vous voyez, il y a toute une gradation. Et ceci se traduit en conductivité, mais attention, vous ne passez de ceci à cela que si vous connaissez les sels qui sont en cause. Là, j'ai pris la précaution de marquer pour le chlorure de sodium, c'est-à-dire pour le sel le plus ordinaire. Il y a un dernier point sur lequel je voulais insister au point de vue chimique, qui est le suivant. Vous avez non pas des sels dans l'eau, vous avez des ions qui sont susceptibles de donner des sels en s'appariant. Alors, vont précipiter quoi? Bien, vont précipiter d'abord les produits les moins solubles, c'est évident, comme par exemple le carbonate de calcium, le calcaire.
si vous avez des carbonates et si vous avez du calcium, ça va précipiter. Et puis, il y a un autre facteur qui va jouer, c'est la proportion. Si vous avez du chlorure de sodium, qui est pourtant soluble, mais en quantité colossale, ben, il va précipiter. Donc la précipitation, l'ordre de précipitation va dépendre des produits qui sont là et de leur solubilité intrinsèque. Et puis il y a d'autres facteurs qui jouent, en particulier la température, etc., etc. Et les ions interfèrent les uns sur les autres. Mais ce qui compte, c'est pas ce qui a précipité au fond de la casserole ou dans le sol sous forme de petites particules. Ce qui compte, c'est ce qui reste à l'état liquide. Pourquoi ? Mais parce que si c'est une sauce dans laquelle vous avez potentiellement des sels d'acide fort et de base faible, comme par exemple des sulfates de fer, eh bien le milieu va être très acide. Si vous avez surtout des chlorures comme le chlorure de sodium, NaCl, acide fort, base forte, ben le milieu va être à peu près neutre. Et si vous avez des sels d'acide faible et de base forte, comme par exemple des carbonates de sodium, hein, carbonate c'est un acide faible, H2CO3 c'est faible, NaOH est fort, et bien à ce moment-là vous allez avoir une réaction très basique. Autrement dit, les sols salés, au sens large, sont les seuls sols du monde dont le pH peut aller de 2 à 10 pratiquement. Alors, disons de 3 à 9, allez. Voilà, vous voyez, c'est extraordinairement varié. Alors en Camargue, on a la chance d'avoir pour l'essentiel une salinité neutre, c'est-à-dire on a des pH qui ne montent pas trop au-dessus de 8,4, 8,5, etc. Exceptionnellement, ça peut aller plus haut. Alors, je vous ai parlé de sel qui s'appariait, enfin de d'ions qui s'appariaient pour faire des sels. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle, parce que en réalité c'est très compliqué, il y a des mariages à 3, et il y a même des mariages à 4 ou 5. Donc la liste des sels que l'on peut trouver en Camargue et ailleurs, elle est tout à fait considérable. Et ils sont, je vous prie de croire, qu'ils ne sont pas tous représentés ici. Donc c'est toute une discipline d'essayer de comprendre ce qui se passe dans les détails de ces phénomènes de précipitation. L'ion le plus soluble de tous, c'est le chlore. C'est lui qui précipite le dernier. Donc il sert un peu de repère. Et si vous prospectez la Camargue, vous essayez d'extraire l'eau du sol et vous regardez s'il y a du chlore, eh bien oui, il y a du chlore partout. Ce qui prouve que toute la Camargue jusqu'à Arles est sous l'influence plus ou moins de la salinité. Alors maintenant, voyons la variation de cette salinité. Le premier élément, vous le savez très certainement, c'est le rôle de l'altitude. En bas, vous avez des salicornes, au niveau de l'eau ou pas loin. Salicornes qui résistent à la salinité parce que, bon, ben, y a trois façons de résister à la salinité, mais pour s'en tenir à l'essentiel, c'est une plante grasse de salicorne, hein, c'est turgescent. Donc c'est une plante qui est adaptée à une faible évaporation en eau. Donc elle évapore peu, elle a besoin de peu d'eau. Donc on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Plus haut, vous avez des vignes, 1 mètre, 1,50 m, vous pouvez avoir de belles vignes, et plus haut, vous avez les bois de pin qui se réimplantent tout seuls, à condition qu'il reste des dunes à 2-3 mètres, et hélas, il n'en reste presque plus en Camargue, parce que tout ou presque a été aplani pour faire de l'agriculture, c'est-à-dire en particulier des vignes. Deuxième facteur qui joue sur la répartition de la salinité en Camargue, c'est la saison. Quand il pleut, ça fait un effet de piston, comme on dit dans notre vocabulaire, ça chasse la salinité vers le bas. Et donc vous avez un profil avec un pic de salinité intermédiaire. Quand il fait sec et qu'il y a de l'évaporation, la salinité monte en surface et vous avez des dépôts salins en surface. Vous voyez, il y a une variation dans le temps. Et il y a aussi une variation en fonction du relief. Alors ça, ce sont des travaux qui ont été faits par Jean-Jacques Corr en 1972, mais qui n'ont rien perdu de leur actualité. Il a mis des piézomètres, enfin, il a mesuré la salinité et le niveau de l'eau pendant plusieurs années
en Camargue, et il est arrivé à toute une série de courbes dont j'en ai relevé que deux. Alors, quand vous êtes en hiver, tout est à peu près submergé, sauf les sommets de butte, et la salinité s'enfonce, et elle est à peu près régulière partout. Vous voyez, là, les courbes sont presque horizontales. La salinité monte, augmente avec la profondeur, bien sûr. Et quand vous êtes en été, eh bien, la salinité remonte surtout en zone intermédiaire. Pourquoi ? Bien parce que en zone basse, l'eau douce a stagné plus longtemps, donc ça se sale moins vite, et sous les dunes, ça se sale moins vite parce qu'il y a moins d'évaporation. Et donc le résultat qui a été souligné par tous les spécialistes de la Camargue est celui-là, les taches de sel, là vous avez des taches de sel, c'est ce qui est blanc, eh bien ça n'est pas au niveau des étangs en bas, ce n'est pas au niveau du Rhône tout en haut, c'est-à-dire sur les bourrelets du Rhône, c'est en zone intermédiaire. C'est là où le sel apparaît plus volontiers. Il reste la dernière partie de l'exposé, les problèmes agronomiques majeurs posés dans ces milieux salins. Alors, on est obligé de rentrer un tout petit peu dans le détail sur un point. Le sel, le sodium exactement, il y a deux possibilités pour lui. Ou bien il est dans l'eau qui baigne le sol, ou bien il est accroché au sol sur l'argile. Et ce n'est pas la même chose. Et en particulier les spécialistes, alors on pourrait rentrer dans des détails sans fin, mais on définit la proportion de sodium qui est accroché à l'argile par rapport au sodium total, c'est le sodium adsorption ratio qui est là, et les problèmes dont je vais vous parler commencent à arriver quand c'est supérieur à 13 ou à 15. 15% du sodium qui est non pas dans l'eau, mais accroché à l'argile, ça commence à aller mal. Vous allez voir. Alors, un de mes collègues qui a fait sa thèse sur la Camargue avait fait l'expérimentation suivante. Il avait pris un cube de terre, mais avec une boîte sans fond et sans couvercle. La terre tenant parce qu'on a bien collé les quatre côtés de la boîte. On arrose avec de l'eau salée. Tout se passe bien, le temps étant là, ça c'est le nombre de centimètres cubes percolés, ça coule. L'eau traverse le sol. Et puis on arrête d'utiliser de l'eau salée, on met de l'eau douce, de l'eau pure, si possible distillée. Et d'un seul coup, ça se bloque, l'eau passe plus. En d'autres termes, vous comprenez ce qui risque d'arriver, quand vous voulez dessaler une terre avec de l'eau douce, vous pouvez la rendre complètement imperméable. Alors pourquoi est-ce que cela se passe ? C'est parce que quand les sels sont éliminés de la solution et qu'il ne reste plus que le sodium accroché à l'argile, eh bien, pour des raisons électriques, l'argile prend de l'expansion, pour des raisons électriques, oui, j'ai bien dit, et les sodiums qui sont accrochés à l'argile s'entourent de molécules d'eau qui sont accrochées. En d'autres termes, on crée une espèce de purée de particules de terre avec de l'eau autour et le tout représente une masse qui a perdu sa perméabilité. Et d'ailleurs, vous avez peut-être utilisé ou entendu parler de bentonite. La bentonite, c'est une argile qui sert à imperméabiliser des milieux. Eh bien, vous savez comment on fait de la bentonite, on prend une argile en mélange avec du sel. Pas n'importe quelle argile, d'accord, mais peu importe. Et vous avez là un sol qui a porté du riz antérieurement, et vous voyez bien que c'est pris en masse. Donc c'est difficile. Alors, il y a une solution qui est considérée dans le monde entier, qui consiste à dire, on va remplacer ces ions qu'on a exportés du milieu, sodium, on va les remplacer par des ions calcium, et on met du gypse, sulfate de calcium, parce que le gypse c'est un sol soluble. Donc, en mettant du gypse, ça ne va pas rester en surface, ça va couler avec l'eau dans le sol. Et l'expérience qui est là consiste à prendre un peu de terre, à la touiller dans un bocal, terre salée, et vous voyez ce qui se passe, ça reste en suspension, et si on ajoute un peu de gypse, ça y est,
la terre, les petites particules se réagglomèrent les unes avec les autres. Alors, le gypse est recommandé, et on a vu des agriculteurs en Camargue qui en mettaient. La question, c'est est-ce que c'est bien utile? Ça n'est pas certain, parce que les sols de Camargue, tous les sols de Camargue sont calcaires, aussi bien ceux qui sont marins que ceux qui viennent du Rhône, et quand il y a du calcium dans le milieu, quand vous avez lavé les ions qui sont libres dans l'eau autour des particules de sol, eh bien, ce calcium diffuse dans l'eau, doucement, et aide à reconstituer, à faire que l'argile flocule à nouveau, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas sous forme dispersée. Autrement dit, il y a une régénération naturelle du sol, que je vous montre là. Regardez ce qui se passe dans les étangs de Camargue, ça c'est juste après le retrait de l'eau douce, et ça se refissure, et ça se refissure. Donc, et il faut que ça soit fissuré pour que l'air passe dans le sol, pour les racines, et que l'eau passe dans le sol. Voilà, c'est sur ces milieux. Alors, une analyse correspondant à ça, je vous souligne que deux choses. D'abord, la proportion, ça c'est un sol de Sansouire, la proportion colossale de sodium qui est sur l'argile par rapport au sodium total, vous voyez, c'est 30%, là-bas 32%, etc. Donc on est vraiment dans la zone de danger. Mais ce qui sauve, c'est la proportion importante de carbonate de calcium, c'est la moitié des particules. Autrement dit, les sables, les limons, les argiles dont je vous parlais, eh bien là-dedans, il y a la moitié de particules qui sont du carbonate de calcium. Et donc normalement, ça doit suffire à restituer une bonne organisation physique des sols de Camargue, mais attention, il faut du temps. Alors, une petite méthode pour savoir si le sol risque quelque chose, ça vient d'Australie, vous prenez une coupelle transparente, vous prenez un petit grain de terre et vous le mettez dans l'eau distillée. Et au bout de 90 minutes, une heure et demie, autrement dit, est-ce que votre sol est resté plus ou moins cohérent, ou est-ce qu'il a fait une soupe? S'il a fait une soupe, si vous savez que le sol est salé, ça veut dire que vous êtes dans la zone de danger. Il ne faut pas arroser vos sols avec de l'eau pure. Il y a un autre danger, le deuxième type de danger, après ce risque de prise en masse, il y a un deuxième type de danger qui est le suivant. Imaginez que vous ayez deux carafes d'eau. Une carafe d'eau qui est remplie de billes, celle qu'on donne à nos enfants pour jouer, et l'autre qui est remplie d'eau. Et vous prenez deux carafes identiques, vous prenez la carafe d'eau et vous essayez de remplir les espaces entre les billes. Et vous allez vous apercevoir que vous consommez seulement un tiers de la carafe. Parce qu'on peut, par calcul, par simulation, etc., démontrer que dans un sol où il y a des particules supposées sphériques, grosso modo, il y a la place pour un tiers de vide, ou un tiers d'eau, si vous voulez. Alors, bon, ça dépend des sols, bien sûr, mais ne pinaillons pas cela. Mais ce qu'il vous faut bien ressentir, c'est qu'en sol salé, on n'arrose pas en agriculture quand il commence à manquer d'eau. On arrose dès que la quantité d'eau qui reste devient trop salée. Donc on arrose avant. Si l'eau n'était pas salée, on n'arroserait pas encore. Et donc on est en surconsommation d'eau. Et toute eau qui est en surconsommation va remplir très rapidement le sol et la nappe va remonter. Quand je dis très rapidement, ça veut dire, suivant les endroits, en 20 ou 30 ans. Et c'est arrivé en Camargue, où au 19e siècle, quand on a fait du riz pour lessiver les sels, on n'avait pas prévu d'évacuer les saumures, et donc l'eau est remontée, et la Camargue s'est trouvée complètement ennoyée d'eau salée, etc. Donc, on n'arrivait plus à se débarrasser. On pense qu'un grand nombre de périmètres irrigués dans le monde, et même de civilisations, ont périclité, entre le Tigre et l'Euphrate par exemple, à cause de ça. Les sels sont remontés, très lentement. Alors c'est compliqué parce qu'il faut faire comprendre aux gens
qui veulent dessaler leurs terres et qui sont souvent en milieu extrêmement sec, hein, au Sahel, etc. Il faut leur dire, attention, avant de mettre de l'eau, il faut la retirer. Il faut amener le système de drainage en même temps que le système d'irrigation. Et c'est très difficile à faire accepter aux populations. Ça, ils disent, ils sont fous, ils veulent que j'évacue les eaux, il n'y en a pas. Voilà. Alors, donc en Camargue vraie, c'est-à-dire entre les deux bras du Rhône, les gens se sont associés en syndicats pour faire ces systèmes d'irrigation-drainage. Non seulement il faut amener l'eau du Rhône, mais il faut encore la repomper, repomper les saumures pour les mettre dans le Rhône. C'est évidemment compliqué parce que il faut des pompes considérables. Là, vous avez la pompe et vous avez un périmètre de drainage. Et puis, il faut, celle d'après, oui, c'est bon, il faut prévoir à la fois ce qui amène l'eau et ce qui va l'emmener, avec quelquefois des croisements, des passages par siphon, etc. etc. Donc c'est difficile à concevoir, et il faut manager ça au jour le jour. C'est fait en Camargue, mais c'est pas fait en petite Camargue, où on a encore le système ancien, où on règle le niveau d'eau, et c'est le même canal qui est censé amener l'eau douce à un moment, puis d'emmener les saumures à un autre. Et malheureusement, ça risque de ne pas durer. Alors, le dernier point, la dernière difficulté, c'est l'assèchement du climat, le fameux changement climatique. Et dans le sud, et en particulier en Camargue, c'est la double peine. Parce que d'une part, vous le voyez sur cette carte ici, la côte méditerranéenne est, à deux ou trois exceptions près, la zone la plus sèche de France. Et vous voyez sur la carte qui est là-bas, que non seulement c'est la plus sèche, mais c'est celle dans laquelle la réduction de pluviométrie est la plus forte. Et actuellement, les agriculteurs en Camargue sont très inquiets parce que, alors que la pluviométrie annuelle en Camargue, ou sur la côte de Béziers, si vous voulez, est de 550 mm par an, cette année, la dernière saison, oui, cette année, et l'année d'avant, ils sont à 225. Donc, évidemment, les sels remontent. Alors, les conséquences sont les suivantes. Vous avez des vignes qui crèvent, vous avez une belle vigne au fond, mais là, si vous êtes quelques centimètres plus bas, la vigne va mal, les arbres vont mal aussi. Vous avez un pied qui a échappé, on ne sait pas pourquoi, à la salinité, mais tout le reste, tous les autres pieds sont crevés. Voilà ce que ça donne vu de dessus. Et j'en arrive donc à ma conclusion. Alors ma conclusion sera extrêmement rapide, j'ai assez parlé. Je dirais qu'en matière de salinité, c'est un peu orgueilleux de dire ça quand on est chercheur, je ne dirais pas qu'on a tout compris, mais on a compris l'essentiel, c'est-à-dire on sait comment il faut travailler les sols, on sait comment il faut amener l'eau, comment retirer les saumures, etc., etc. Mais la question essentielle, c'est est-ce qu'on peut faire ça en conservant une rentabilité au milieu, en rentabilité agricole? Ou bien est-ce que, comme certains le proposent, il faut laisser revenir la Camargue à l'état sauvage et à un état de salinisation généralisée que vous avez là, quand dans les années particulièrement sèches et pour des durées évidemment limitées. Et quant au golfe de la Grande Motte, à la Grande Motte c'est la même chose, vous avez les arbres qui commencent à aller pas très bien quand vous n'êtes pas très haut en altitude, et vous avez le quartier du Ponant là-haut, c'est une photo que m'a donnée Bernard, vous voyez qu'il y a des arbres qui ne se portent pas magnifiquement bien, qui défeuillent très vite en fin de saison. Alors, est-ce que la Camargue, dans son ensemble, la Grande Motte y compris, vont subir ce que prévoyait Jean Joubert, c'est-à-dire un enfouissement dans les sables? Je ne le prétends pas, et surtout, je ne voudrais pas que ça arrive. Je vous remercie de votre attention.
recevez. J'ai dû le couper, non ? Non, non, c'est bien. Bon, j'espère que les prophéties de Jean Joubert ne se réaliseront pas. Ils étaient en conflit avec Balladur, mais ils ont été très copains aussi. Et ça nous amène à la... Allô ? Vous recevez ? Oui, c'est bon. Bon, alors je parle plus fort. C'est vrai qu'il a, il a la voix plus forte que moi, Jean-Paul. Donc, on a eu un exposé complet. C'est vrai, pour les non-connaisseurs, ça donne quand même l'importance de tous ces phénomènes qu'on va vivre de plus en plus avec l'évolution du climat. Mais il y a des moyens pour remédier et pour anticiper. Donc, la discussion est ouverte parce que vous avez certainement des questions à poser. Je peux présenter quelques autres diapositives, mais on peut prendre quelques questions, quelques premières questions sur... voilà. Alors, René, tu peux venir parce qu'il y a deux micros. Un autre micro de la beurre. On va passer une lingette après chaque utilisation de micro. Oui. On m'entend ? Oui ? Oui, on vous entend. Merci Jean-Paul pour cet exposé, je dirais, profond, comme dans les sols, et éblouissant. Ça m'a vraiment intéressé. Et c'est dommage qu'avec ce saloperie de Covid, là, on ne puisse plus, Jean-Paul, refaire un peu des sorties de terrain comme on faisait, comme il y en a eu sur la Camargue, parce que ça compléterait tellement bien. Cet exposé, c'est vraiment bien. Et si on veut faire du tourisme intelligent, il faudrait peut-être prévoir des sorties comme ça, qui seraient bénéfiques pour tout le monde. Jean-Paul, j'ai rien à dire sur ton exposé, je le trouve parfait, mais j'ai deux, trois petits détails. Je suis originaire de la vallée de l'Isère. Tu as parlé un moment de la vallée de l'Isère où les paysans pratiquaient pendant de nombreuses années le limonage. Le limonage, moi j'ai bien connu ces limons de l'Isère qui sont un peu bleus là, qui sont et on les trouve chez nous. D'ailleurs, quand il y a les limons tout seuls, moi je suis fils de paysan, ça pousse rien là-dessus. Il faut attendre un peu qu'ils refassent un sol avec de la matière organique. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs ça pousse rien, mais tu dois le savoir toi. Une chose qui m'interpelle, c'est que quand j'étais enfant, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, j'ai connu les dernières crues de l'Isère. Et les dernières crues de l'Isère, les hommes se sont maintenant... Ils ne pratiquent plus le limonage. Au contraire, l'Isère débordait toute seule. C'était des crues de débordement. Et maintenant, ils ont voulu mettre en culture tout ce qui était à ras de l'eau. Où autrefois, on disait là-bas, c'était les plus pauvres au bord de l'eau. Les plus pauvres, ce n'étaient pas ceux qui sont derrière leur corps au-dessus. C'était ceux qui avaient toujours les pieds dans l'eau. Et mon arrière-grand-père, par exemple, avait installé sa ferme un peu au coteau pour échapper, pour ne pas avoir les pieds dans l'eau, quoi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, comment on est passé, donc, ce limonage par les paysans à ces inondations naturelles, je dirais, et puis maintenant, qui ont été éliminées par des digues. On a endigué, je l'ai vécu ça aussi, on a endigué l'Isère, elle ne déborde plus. Et quelles peuvent être ses conséquences là-dessus ? Voilà. J'aurais deux autres questions, mais vas-y, si tu veux répondre d'abord à celle-là.
Oui, puis on reviendra à notre, ouais, à notre zone littorale. Hein. Oui, j'en ai aussi là-dessus. Oui, en fait, le limonage, c'est une technique ancestrale qui a duré des siècles, mais qui est complètement abandonnée à l'heure actuelle. Par exemple, on peut prendre comme exemple de limonage naturel les fameuses crues du Nil. Alors, les crues du Nil étaient fertilisantes parce qu'elles amenaient des éléments minéraux qui étaient relativement neufs pour couvrir les sols. Mais quand on parle de fertilisation naturelle, c'est deux fois rien par rapport à ce qu'amène un sac d'engrais. Donc ça, c'était bien quand on ne mettait pas d'engrais, c'est-à-dire avant j'allais dire avant 1890, mais après, ça n'a plus aucun intérêt en termes de fertilisation. Donc ces techniques-là sont complètement abandonnées à l'heure actuelle.